Bonjour. Dans cette vidéo, on va parler de perroquet Rosella. La Rosella est un perroquet originaire de l'est et du sud-est de l'Australie qui a été introduit en Nouvelle-Zélande et sur l'île Norfolk. La Rosella a été nommée par George Shaw en 1792. Elle est parfois considérée comme une sous-espèce de la Rosella à tête pâle. Cependant, une étude mitochondriale publiée en 2017 a révélé que la Rosella orientale était la première ramification de la lignée qui s'est divisée en Rosella à tête pâle et septentrionale, et que les taxons non-sœurs étaient donc capables de s'hybrider. La Rosella orientale mesure 30 cm de longueur. Il a une tête rouge et des joues blanches. Le bec est blanc et les iris sont bruns. Le haut de la poitrine est rouge et le bas de la poitrine est jaune passant au vert pâle sur l'abdomen. Les plumes du dos et des épaules sont noires et ont des marges jaunâtres ou verdâtres donnant un aspect festonné qui varie légèrement entre les sous-espèces et les sexes. Les ailes et les plumes latérales de la queue sont bleuâtres tandis que la queue est vert foncé. Les pattes sont grises. La femelle est semblable au mâle mais de couleur plus terne et a une bande sous les ailes, qui n'est pas présente chez le mâle adulte. Les juvéniles sont plus ternes que les femelles et ont une bande sous les ailes. Le régime alimentaire des Rosella orientales se compose principalement de fruits, de graines, de fleurs et d'insectes. Il existe 6 espèces et de nombreuses sous-espèces, Rosella occidentale, Rosella cramoisie, Rosella verte, Rosella à tête pâle, Rosella orientale, Rosella du Nord. Distribution et habitat de perroquet Rosella. Les Rosella sont originaires d'Australie et des îles voisines, où elles habitent les forêts, les bois, les terres agricoles et les parcs et jardins de banlieue.
Ils sont confinés aux montagnes et aux plaines côtières et sont absents de l'arrière-pays. Des populations introduites se sont également établies en Nouvelle-Zélande. L'aire de répartition naturelle de la Rosella orientale est l'est de l'Australie, y compris la Tasmanie. L'espèce se trouve dans les pays légèrement boisés, les forêts ouvertes, les bois, les jardins, les broussailles et les parcs. La population de Rosella à Dunedin est toujours restée faible, en partie parce qu'elles sont piégées et vendues comme oiseaux en cage. Les Rosella sont courantes dans les forêts côtières et de montagne à toutes les altitudes. Ils vivent principalement dans les forêts et les bois, préférant les forêts plus anciennes et plus humides. On les trouve dans les forêts tropicales, subtropicales et tempérées, les forêts sclérophylles humides et sèches, les forêts riveraines et les bois, du niveau de la mer jusqu'à la limite des arbres. Ils vivront également dans des zones touchées par l'homme telles que les terres agricoles, les pâturages, les coupe-feux, les parcs, les réserves, les jardins et les terrains de golf. On les trouve rarement dans les zones sans arbres. La nuit, ils se perchent sur les hautes branches des arbres. Presque toutes les Rosella sont sédentaires, bien que des populations occasionnelles soient considérées comme nomades, aucune Rosella n'est migratrice. En dehors de la saison de reproduction, les Rosella ont tendance à se rassembler en couples ou en petits groupes et à se nourrir. Les groupes les plus importants sont généralement composés de juvéniles, qui se rassemblent en groupes de 20 individus maximum. Lorsqu'ils se nourrissent, ils se font remarquer et bavardent bruyamment. Les Rosella se nourrissent dans les arbres, les buissons et sur le sol pour les fruits, les graines, le nectar, les baies et les noix d'une grande variété de plantes, bien qu'elles se nourrissent de fruits et de graines. Les Rosella ne sont pas utiles aux plantes comme épandeurs de graines, car elles écrasent et détruisent les graines en les mangeant. Leur régime alimentaire les met souvent en désaccord avec les agriculteurs dont les récoltes de fruits et de céréales peuvent être endommagées par les oiseaux, ce qui a entraîné l'abattage d'un grand nombre de Rosella dans le passé. Les Rosella sont connus pour se nourrir de boutons de fleurs de cerisier dormant. Les Rosella mangent également de nombreux insectes et leurs larves, notamment des termites, des pucerons, des coléoptères, des charançons, des chenilles, des papillons de nuit et des bateliers.
la nourriture étant maintenue dans le pied de Rosella. Ils aiment se baigner dans des flaques d'eau à l'état sauvage et en captivité. Ils se grattent la tête avec le pied derrière l'aile. La reproduction de perroquet Rosella. Les Rosella de l'Est se reproduisent généralement au printemps, mais aussi en été si nécessaire. Les Rosella sont monogames et pendant la saison de reproduction, les oiseaux adultes ne se rassemblent pas en groupe et ne se nourrissent qu'avec leurs compagnons. Ils peuvent avoir de 2 à 9 œufs. Dans la nature, leur crue de reproduction mesure 1 mètre de profondeur et 30 mètres de hauteur sur un arbre. Le signe que la Rosella orientale montre principalement qu'ils se reproduiraient est qu'ils se donnent de la nourriture les uns aux autres. Comme la plupart des perroquets, ils nichent dans des cavités, nichant généralement aux dents de grands arbres plus âgés dans des zones boisées. Les sites de nidification sont des creux de plus de 1 mètre de profondeur dans les troncs, les branches et les souches d'arbres. Ceux-ci peuvent être jusqu'à 30 mètres au-dessus du sol. Le site de nidification est choisi par la femelle. Une fois le site choisi, le couple le préparera en le garnissant de débris de bois fabriqués à partir du creux lui-même en le rongeant et en le déchiquetant avec leur bec. Ils n'apportent pas de matière de l'extérieur du creux. Un seul couple nichera dans un arbre particulier. Un couple gardera son nid en se perchant près de lui et en bavardant avec d'autres Rosella qui s'approchent. Ils garderont également une zone tampon de plusieurs arbres autour de leur nid, empêchant d'autres couples de nicher dans cette zone. La saison de reproduction de la Rosella dure de septembre à février et varie en fonction des précipitations de chaque année. Il commence plus tôt et dure plus longtemps pendant les années humides. La période de ponte se situe en moyenne entre la mi- et la fin octobre. La taille de la couvée varie de 3 à 8 œufs, qui sont pondus de manière asynchrone à un intervalle moyen de 2,1 jours. Les œufs sont blancs et légèrement brillants et mesurent 28 par 23 mm. Le mâle nourrit la femelle pendant cette période et pendant un certain temps après la fin de l'incubation. Rapidement recouvert d'un duvet blanc. Les poussins mettent environ 5 semaines à s'envoler. La période d'incubation moyenniste de 19,7 jours et varie de 16 à 28 jours. Seule la mère incube les œufs. Les œufs éclosent vers la mi-décembre, en moyenne, 3,6 œufs éclosent avec succès. Il existe un biais en faveur des oisillons femelles, puisque 41,8% des jeunes sont des mâles. Pendant les 6 premiers jours, seule la mère nourrit les oisillons. Passé ce délai, les deux parents les nourrissent. Les jeunes deviennent indépendants en février, après quoi ils passent encore quelques semaines avec leurs parents avant de partir pour faire partie d'un troupeau de juvéniles. Les juvéniles atteignent la maturité, prennent le plumage adulte, à l'âge de 16 mois.
Étonnamment, cependant, la rosella est son propre pire ennemi. Pendant la saison de reproduction, il est courant que les femelles volent vers d'autres nids et détruisent les œufs. En fait, c'est la cause la plus fréquente de l'échec de l'éclosion d'un œuf. On pense que ce comportement est fonction de la compétition pour les creux de nidification appropriés, car un nid sera abandonné si tous les œufs qu'il contient sont détruits, et une paire de rosella aura tendance à nicher dans la même zone d'année en année. Les espèces de rosella plus colorées sont populaires comme perroquets de compagnie et aussi comme oiseaux de volière. Ils peuvent vivre plus de 20 ans et sont relativement faciles à reproduire. Tous ont la réputation d'être agressifs en captivité et il est donc recommandé de les séparer des autres oiseaux en cage. Leur régime alimentaire en aviculture comprend des graines, des fruits comme la pomme, la poire et le raisin, et des matières végétales comme la laitue, l'herbe et la betterave argentée. Les prédateurs des rosella comprennent le faucon pèlerin, l'autour des palombes et le hibou puissant, ainsi que les chats sauvages et les renards. On pense également que les opossums et les curawons prennent occasionnellement des œufs du nid. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.